Moi, saluer tout le monde à la ronde Badé. Ça, son message pour la paix et aussi pour conscientiser mes frères de la police nationale d'Haïti. Non, pas M. Jean-Gospel Monelus, commissaire principal, et aussi pasteur. En tant que yon monde qui l'a pour permettre que l'institution avance, moi, gagne un comportement que j'ai toujours été, moi, été comme un monde qui était toujours très réservé. Malgré tout ça qui a passé, moi, j'ai toujours été comme un monde qui a observé. Même si moi, j'ai toujours appuyé en bas, pour voir comment les choses sont améliorées dans l'institution. Tout d'abord, je voulais excuser auprès du directeur général de la police nationale, M. Domino Rambo, parce que je ne suis pas autorisé pour me prendre la parole, parce que j'ai un porte-parole de la police là, qui peut parler pour la police. Là. Mais moi, en tant que monde qui est conscient des choses qui ont passé mal, je décide aujourd'hui de parler avec les policiers. Je prends référence dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, chapitre 33, le verset 6, qui dit que si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. C'est ça qui motivait après-midi, jeudi, à pour me parler avec Frem Action Policier. Il y a lundi, je suis dans Delma 48, là, pendant que M. 509 Fantôme a fait mouvement, et je suis essayé pour me parler avec eux, pour me capable d'essayer de conscientiser eux, pour me faire comprendre que l'attitude là n'est pas bonne. Mais ils étaient plus très violents et par rapport avec. Esprit ou que se chauffer ou pas de qu'attendre. Je dis à moi décider moi-même pour me faire voice là. Parce que je me décide pour me parler, parce que je ne peux pas être complice. Moi, je vais parler avec Frem Action Policier. Et je vais dire ça, je dis à la police là apprend un mauvais chemin. Et jeune policier, yo, à mener nous, un côté que nous même pas même connaît côté au aller. C'est triste de remarquer, de constater ce qui est en train de passer dans la police, ce qui est en train de se produire. C'est triste. Moi, je comprends, M. Damio, le a commencé à faire mouvement pour le syndicat la police là. Même si je n'ai pas apprécié l'approche de l'autre fait là, même je connais que c'était une cause qui était juste parce que c'est un droit constitutionnel, même si tu as une loi dans le pays qui te dit beaucoup près, nous beaucoup près pour ça. Mais le gouvernement pays a avec directeur général de la police là, yo chita, y a gardé faisabilité pour syndicat. Nous battons bravo pour ça. Et je pense que c'est approche directeur général là avec gouvernement, c'est une bonne approche dans la mesure que nous permettent que monsieur Damsa yo capable chita pour nous capable discuter sous faisabilité, comment le fait, qui moyen, pendant que nous avons préparé pour des lois. Capable de produire ou bien des textes de loi qui sont capables
accepter le syndicat de la police. Ça, je comprends. Mais je dis à ne pas comprendre. Moi, pas comprendre ce qui a passé dans la police, là, je dis. Moi, pas comprendre qu'on équipe policier, ou bien qui tire ces policiers, avec ZAM à la main, à terroriser une population, à agresser tout le monde pour faire respecter le droit. Monsieur ou monsieur, dame, ça a libéré la police. Il a libéré toute l'autre bagarre, mais il a libéré la police. Des gens dans la population, qui sont petits marchands, qui sont chauffeurs camionnettes, chauffeurs taxis, des gens qui sont dans le secteur public là, ou secteur privé, là, qui a payé taxes et l'argent taxe, il a payé pour des policiers pour bailler aux sécurité. Et je dis, il y a comme qui a acheté des armes pour bailler aux policiers de sécurité, les policiers ont tourné les armes contre le monde ça, pour faire agression sur eux. Monsieur, c'est anormal. C'est inacceptable. Moi, je connais que l'élofine d'un dévoi ça, n'a pas gagné un pile jeune par interpréter. Nous ne pouvons pas mentir, non. Ma peine gagne non m'bral konnen que c'est pour y a m'bral konnen que m'te gagne ou m'bral konnen m'te gagne auparavant. Ma même gagne des moun qui te zanmim ou bien soit disant qui te zanmim qui pral interpréter le mal, qui pral dit c'est l'autre bagay m'on a fait. Ça va intéresser m'sou pral dire, mais ça m'a dit l'attendre le bien. Parce que ni moi ni ou m'en même bateau. Les bateaux ça fait naufrage. Quand on a mené pour aller tomber dans la roche là, on a mené tout là-dedans. On va croiser les bras, on va garder pendant qu'on a mené mon côté qui n'a qui pas gagné côté pour me sortir là-dedans. Je dis à moi, je voulais parler avec ce monsieur qui déclarait aussi fantôme 509 là. Ma fond approche spirituelle de nos bailes noirs. Nous dirions les fantômes. Et puis 509. Fantôme, c'est un bagage spirituel qui est capable de dire monde qui mourit et que l'esprit continue à rentrer la vie l'autre monde. L'esprit continue à bailler l'autre monde. Chaleur, pression, il a fait l'autre monde mal vivre. Fantôme, il signifie des mondes qui ne sont pas monde, des êtres qui ne sont pas monde, mais aussi des autres êtres, mais à caractère spirituel. Qui parle là pour faire bien, mais qui là pour faire mal. Ma associé avec code nous baïa qui est 509, qui c'est aria code communication pays d'Haïti. Ça veut dire que nous associons la zombification, nous associons la sorcellerie, nous associons le mal avec communication spirituelle d'Haïti. Et nous mettons des âmes là-dedans pour nous capables de faire action. Monsieur, nous sommes en pile. Nous pas réaliser qui ça qui mal dans ce pays. Nous ne pouvons jamais oublier nous. Même gens ne pouvons jamais oublier ces soldats. En 1992 et 93, 1988-89, qui t'a marré des officiers de l'armée et qui a lagué au devant grand quartier général sous prétexte que tu as fait mouvement dans l'armée. Nous ne pouvons pas accepter que le règlement a été appliqué. Si soldats ça yo, mwen te wè yo dans le pays ça dans la ria, tout pendant dernières années ça yo, il y a manifesté son seul bagage, il a demandé pour yo remobiliser l'armée d'Haïti. Moi je me souviens en 1994 lorsque l'armée américaine débarquait et puis a arrêté des militaires haïtiens. Il y a marré dans le temps la rue, il y a pilonné, et puis il y a une équipe haïtienne qui t'a battu bravo et qui t'a content parce que t'a humilié des soldats. Mais sans le prendre compte, ce n'est pas les soldats seulement qui t'a humilié, mais c'était l'âme haïtienne, c'était la fierté haïtienne, c'était l'haïtien lui-même qui t'a humilié. Je dis à. Est-ce que la police a ses routes sans besoin de faire là? Est-ce que si M. le policier ça aussi l'envie même? Ou envie même pour nous venir tourner une entité ingouvernable, côté nous venir tourner un danger pour Caraïbes là et pays qui
à l'entour de nous, de sorte que pour envoyer l'armée dans pays étranger, venir Kounia, venir marrer nous, et puis pour envoyer nous des picots, puis j'ai eu à envoyer à l'armée. Peut-être ça va me dire nous rien nous-mêmes parce que nous pas bien, peut-être grand pile nous pas bien fierté. Hein. Mais ça a dit quelque chose parce que nous bataillons en pile pour nous tenir là. Moi, je vous mets en pile. Rentrer dans la police là depuis 95 jusqu'à présent, moi là. Et ma kembe, moi, propre, moi, grand pile bagay que le pays a fait pour moi. Moi-même, je ne peux pas contribuer à ça dans le pays. L'important pour nous-mêmes, c'est monsieur Sayo, pour nous chita. Pour nous joindre au commandement de la police là, pour nous joindre l'autre entité. Et il est temps tout pour si là qui c'est des commandants. Suspendre, camper derrière, et puis ou garder ce monsieur à faire au badion. Yo c'est petit, yo c'est petit frère, yo c'est petit famille. Yo après une route qui parfait honneur à la police là. Ou pas qu'à quitter ou aller comme ça, ou pas qu'à quitter ou arriver comme ça. Il est temps pour chaque monde qui dans la police là prendre responsabilité. Yo. Parce que là, la police l'a écrasé, c'est tout le monde qui a perdu. Bien sûr, il y a des gens qui a perdu par son l'autre. Même les petits soldats, ils ont plus perdu parce que les généraux. Parce que les généraux dans l'armée d'Haïti, ou bien ils ont dans la police là jusqu'à présent, ou bien ils ont joué dans le ministère, ils ont fonctionné, ils ont vu ministre, ils ont vu secrétaire d'État. Mais les soldats, ils n'ont pas jamais rien. Yo vient travailler comme agent de sécurité dans banque parfois gain quelques côté au petit job mais yo vini des moun oublié si la police la crase aujourd'hui a moi même à grade côté me gagne à connaissance que me gagne à étude que moi fait m'a utile pays à l'autre côté m'a ca ministre m'a ca secrétaire d'état m'a ca et s'il a fait un corps intérimaire encore il a pété me la dame parce que mon bon passé mon bon report. C'est que je ne suis pas plein parce que je ne suis pas plein de job. Et jusqu'à présent, Dieu fait grâce, je ne suis pas mal vivre. Mais, il a fait mal pour ces jeunes, il a fait mal pour ces gens qui attaquent mal vivre et que la police, là, c'était une porte de sortie de pour eux. C'est ça qui fait moi, relais, je dis. Tout, moi, m'a parlé à chaque grain commissaire, chaque grain monde. Qui fait partie du commandement de la police, inspecteur, agent 4, qui vient sagesse pour nous relayer, monsieur, pour nous parler avec eux, pour nous chita, pour nous faire comprendre. Parce que moi, sûr et certain, si monsieur, pas comprendre où vous allez. Et il y a des gens qui, derrière, qui tirent les ficelles, qui mettent les routes, qui ne comprennent pas où vous allez. Je n'ai seulement pour analogie. Hein. Pour qui raison, c'est dans le moment que la police a planifié une opération pour le village de Dieu. Et c'est dans le moment ça, pour 609 fantômes sortis. Monsieur, il y a pas non, hein? C'est à coup, on a retiré le focus là sur le village de Dieu pour nous voir sur la police là, on a retiré Blender en bas pour nous voir sur Delma, pour comme si pour l'autre bandit capable de jouer un espace pour faire l'autre bagage. Nous capables de dire moi ça que nous capables de nous voulons, mais tout le monde qui a analysé si ça a ressemblé. Monsieur, dame, nous ne pouvons pas faire pays à ça. Pays n'a pas supporter ça. Et pas de monde qui a pris la main nous tout. Je dis à qu'à gagner, il y a plein de patience avant, il y a pris des décisions, mais décision qu'a pris, elle n'est pas bonne ni pour moi, ni pour vous, ni pour personne. Comment tu as imaginé, monsieur, dame financière, fait un week-end de travail pour nous, monsieur, pour policiers. Il n'y a pas de la caille, pour être capable de faire un chèque pour policiers, 30e à 29e. Et puis, comme récompense dans lundi matin, on va le bouler machine, dame finance. Vous pensez ça à son bon bagage? Vous pensez ça qui a fait mon plaisir? Non, monsieur. Monsieur Dame n'est pas bon. Moi, excusez-moi encore auprès de Dieu, président de la police, parce que je ne peux pas parler. Parce que je ne peux pas parler, la police a pu parler. Mais Jésus-Christ a dit, si nous-mêmes qui devons parler, nous ne pouvons pas parler, l'affaire Roche peut parler. Moi, je ne suis pas en Roche, moi, je suis un monde qui est responsable. Et ça fait comme sentinelle, moi, parler. Moi, je dis, je dis, assez, c'est assez. C'est le moment pour nous retourner sur nous-mêmes. Nous retirer pour être samedi, le joyeux du Père. Nous mettre dégager nous. Si bon Dieu a nos possibilités, nous mettre tirer nous. Nous voulons faire ça, nous voulons faire. Mais en seul bagage, nous avons songé que nous avons un monde qui nous dit nous route pour le barbeau. Je dis à moi, je suis bien bas. Pour me saluer, l'effort que le gouvernement a fait,
pour permettre que les cas comprennent les policiers en situation difficile de la vivre. Moi, je suis bien bas pour me dire que nous devons faire plus d'efforts toujours parce que les policiers ont manqué en pile bagaille. Les policiers ont manqué en pile bagaille. Les policiers malades, les amis sont calvaires parce qu'ils n'ont pas aucune assurance prix, ils n'ont pas aucune couverture d'assurance prix. Il faut nous penser à ça. Faut nous penser à les policiers qui vivent dans le quartier, ils sont dans le quartier même côté avec bandits, ils sont obligés de faire ce travail, ils vont rentrer dans le même quartier ça, côté, c'est soit rentrer dans l'eau bandit, augmenter nos bandits, ou du moins ce qu'ils font assassiner. Faut nous penser à ça. Je dis merci parce que nous avons un programme de logements sociaux que le gouvernement pourrait mettre pour nous, pour les policiers. Mais nous disons policiers autour. Nous ne pouvons pas faire violence sur personne. Nous ne pouvons pas utiliser la sur personne pour nous faire respecter le temps de nous. C'est pour nous protéger. Mais si nous utilisons pour faire pression sur ces bandits, nous ne sommes pas différents de bandits du village de Dieu, nous ne sommes pas différents de bandits dans Grand Avignon, nous ne sommes pas différents de bandits dans toute la catégorie, nous ne sommes pas différents de 400 Marozo. Nous sommes les mêmes bagailles des gens qui ont terrorisé la population. Je dis à moi de parler avec nous en tant que père, en tant que frère, pour me dire nous, assez, mes amis, assez. Moun sa yo ki deye, ka finanse bagay sa yo, ka pousse policier. C'est parce que nous même nous fait comme nous dans drogue, nous fait comme nous dans zam, nous fait comme nous dans bagay illégal. Jodi a instabilité bon pour nous, jodi a crase institution bon pour nous. Parce que nous avons toujours ka pousse fait comme, nous te continue fait comme, nous fait comme déjà dans le passé, nous fait le jodi a na fait le demain encore. Nous te crase la mea, jodi a nous te crase la police là. Mais, COVID-19 la fait nous comprendre que nous avons un pays, non? C'est Haïti seulement tout le monde. Parce que tout le monde a parti, tout le monde a parti. Il y a des gens qui ont une famille qui mourent l'autre, pas calmement. Il y a des gens qui ont une famille qui mourent en Haïti, qui mourent l'autre, pas calmement. Le monde, c'est un petit village global. Ou éternué, ou grippé, à droite, ou éternué à gauche, tout le monde contaminé. C'est ça qu'on vit dit ça, mon Dieu. Pendant que je m'encourage tout le monde. Respecter les mesures sanitaires. Respecter les mesures de sécurité. En nous mettant des masques. En nous laver même, en nous protéger tête nous contre COVID-19 là. Mais policiers feraient mieux. En nous rentrer dans la base, en nous chiter dans la base pour nous capables de discuter et nous capables de parler entre nous-mêmes. Moi, moins ouvert, moins capable de chiter pour parler avec les policiers. Pour nous capables de voir qui gens, nous capables d'aider que la direction générale et le gouvernement capable d'adresser pour les arrivés bien. En nous tendant que l'État dit qu'il voulait faire l'autre bagarre avec nous. En nous prenant patience. En nous tendant. Parce que si nous ne mourir pendant 100 ans, un jour, pas qu'à tout. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu bénisse Haïti. Que bon Dieu bénisse la police nationale. C'est le commissaire Jean-Gustave Monnet.